Sous l'autorité du ministre d'État Michel Roger et de son Excellence Henri Christophe, de réfléchir, de concevoir la communication de cette année 2015 de l'année de la Russie. Je voudrais tout d'abord vous situer au niveau de notre réflexion sur le dispositif que je vais vous présenter maintenant, les réflexions qui nous ont amenés finalement à concevoir à la fois un logo, une charte graphique, une identité visuelle autour des événements très nombreux qui vont composer cette année de la Russie à l'Amérique. Alors, notre ambition, elle est simple, c'est d'accompagner, de souvenir l'incroyable foisonnement d'événements de toute nature qui vont composer cette année dans le ciel. De la danse, de la musique, de la peinture, mais aussi de la gastronomie, de la mode, du sport, du théâtre, du cinéma, des conférences, des animations en ville. Tout cela a nécessité une identité visuelle fédérative, une dynamique et une nécessité également d'inscrire ces éléments dans une dynamique et sous un label commun. Alors, l'idée centrale de ce dispositif tient en deux grands principes. Tout d'abord, imposer, je le disais, une identité visuelle forte, et puis respecter tout de même la diversité, le foisonnement de ces éléments et les organisateurs qui en ont pris l'initiative. Alors, le logo, vous le connaissez désormais, il figure partout, il fleurit sur tous les supports que vous avez dans les sacs cadeaux que vous avez été remis à l'entrée de cette salle de conférence. Je dirais que l'ambition de ce dispositif est de proposer aux organisateurs des événements qui sont là aujourd'hui une communication qui soit à la fois élégante, pérenne et globale, une communication qui est tournée vers un vaste public, tous ceux qui viendront à la rencontre de ces expositions, de ces spectacles, qui viennent de la région, des pays voisins, qu'ils soient français ou italiens, qu'ils soient touristes également et qui retrouvent au travers de cette identité visuelle un point commun, un label. Alors, le logo, j'en parlais quelques instants, vous le connaissez, il incarne de manière artistique, créative, je l'espère en tout cas, un style qui est celui très patrimonial des enluminures qui évoque la culture russe. Également une grande visibilité, je l'espère en tout cas, et la présence discrète mais réelle des couleurs nationales, bref, un logo qui veut s'inscrire dans l'histoire et dans la culture. Alors, j'allais dire luxe qui est entre Romains, et un programme plus petit qui a été tiré à 20 exemplaires en français, en russe, mais également en français et en anglais, et qui sera à disposition donc de tout le public qui pourra en disposer pour se repérer dans le calendrier extrêmement important, extrêmement foisonnant de cette année de la Russie. Le site internet monaco-russie2015.com, il est en ligne, vous pouvez vérifier sur vos smartphones, je l'ai fait tout à l'heure, le programme est déjà en ligne, il est à disposition et c'est évidemment un des pivots de la communication qui entourera l'année de la Russie et Monaco. Pourquoi? Parce que simplement, on a pu le constater tout au long de la gestation de ces événements, les choses se créent, la dynamique se crée autour de cette année de la Russie, et donc tout au long de l'année, les événements nouveaux viendront ponctuer cette année de la Russie. Et je fais appel d'ailleurs aux organisateurs, à ceux qui ont pris des initiatives dans le cadre de cette année de la Russie, pour qu'ils nous fournissent au fur et à mesure, et comme nous le souhaiteront, photos, vidéos, textes qui vont nous permettre de faire vivre ce site internet, qui est un outil extrêmement pertinent pour imaginer des événements publics pour faire connaître l'ensemble du dispositif, qui va leur permettre de télécharger le dossier de presse de l'événement, mais également l'ensemble de la charte graphique et tous les éléments utiles pour suivre au jour le jour, semaine après semaine, le développement des événements de l'année de la Russie. Entre les mains, sous la forme d'un DVD sur lequel figurent l'ensemble des éléments graphiques dont vous aurez besoin pour effectivement inscrire votre manifestation dans le cadre de la communication globale de l'année de la Russie. Voilà quelques éléments qui ont été préparés par nos amis de Club Plus, figurent également des invitations, des modèles de pochettes de billets qui vont vous permettre très simplement de décliner la charte graphique de l'année de la Russie autour de votre événement. Donc, le sac, hein. Voilà. Il existe également un stick partenaire. Ce stick, eh bien, ce sera simplement apposé sur les commerces qui le souhaiteront et qui, en principauté, relèveront l'ensemble de la communication autour de l'année de la Russie.
et une communication qui, ensemble, qui, comment dire, fédère l'ensemble des acteurs de cette année de la Russie. Alors, je voudrais maintenant faire un focus sur l'événement de lancement inaugural de l'année de la Russie. Ce sera le 19 décembre prochain. Ça se déroulera tout simplement dans un lieu que nous, Monégasques, connaissons bien, qui est le Grenade Forum de Monaco. Je voudrais maintenant vous présenter au travers de ce petit film. Vous avez précisé tout à l'heure.